Thank you.
a donné cette commission d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. De prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous dit dans Galates au chapitre 1, il n'y a qu'un seul évangile. Un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Et tout ça, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ puisse sauver et ainsi avoir la vie éternelle. Donc dans Marc 16, Jésus a donné à ses disciples la commission d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui réjouit. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui doit vous réjouir. Qui vous apporte quelque chose de bien. Et notre Seigneur, en envoyant ses apôtres prêcher la bonne nouvelle, il avait quelque chose de meilleur à donner à l'homme. Est-ce que vous suivez bien? Je crois qu'il y a beaucoup d'écho là. Donc notre Seigneur, il avait quelque chose de meilleur à donner à l'homme. Il a donné à l'homme beaucoup de bonnes choses. Mais cette fois-ci, il a la meilleure chose qu'il veut donner à l'homme. C'est le salut. C'est la vie éternelle. Et pour ça, il va confier ce travail à ses apôtres, à son église, d'aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Nous voyons que la première fois que cette bonne nouvelle a été prêchée, c'est dans Actes au chapitre 2. Je prêche à ceux qui l'ont entendu et à ceux qui ne l'ont jamais entendu. La première fois, c'était à la Pentecôte. Baraliboso et Zalaki la Pentecôte. J'apporte cet évangile en rapport avec notre sujet, messieurs, quel est-il? Na Zalikote à Sakumala Oyo, na Kolanda, les Kamoto Zalikolanda, les Sobanso, on va les tokomi na Monganini. Après avoir donné la promesse, Simone Kopese Laka, Jésus, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans un, ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres.
ndemo lokola ndemo na moto emonana ki likolo na bango et se posèrent sur chacun d'eux et ikitaki likolo na moko na moko na bango. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues banso batondisamaki na molimo mosanto pe babandaki koloba kota mosusu selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer pe lamoko molimo azalaki kopesa bango baloba. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Donc cette fois-là, quand la première fois le Saint-Esprit est descendu, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus de plusieurs nations qui étaient là. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue? Partes, Medes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient vraiment dans l'étonnement de voir ce qui était en train d'arriver. Alors, comme ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Pourquoi ce grand rassemblement? Qu'est-ce qui se passe? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Pendant que les autres se posaient des questions, les autres se moquaient. Et ils se demandaient, les autres se demandaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Nous sommes à 9h du matin. Pierre leur a montré que ce que vous pensez là, qu'ils sont ivres, ce n'est pas ça. Nous sommes encore au matin. Il leur a parlé de l'heure. Il leur a montré le temps. Et à cette heure-là, il leur dit encore, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il leur a parlé que nous sommes à 9h du matin. Vous vous demandez c'est quoi?